Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau 24 heures. Ce n'est pas aujourd'hui un vlog, mais c'est bien un 24 heures dont il s'agit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un 24 heures que du fast food. Il doit être aux alentours de 9h15, 9h30. Je pète la dalle, c'est un truc de malade. J'ai encore rien bouffé depuis ce matin. Je vais profiter de me rendre justement à McDonald's pour pouvoir aller rendre les répliques d'Airsoft à Airsoft Modélisme Lyon. Donc du coup, je vais petit déjeuner de la bagnole. Go à Airsoft. On va se prendre un petit déjeuner pour commencer la journée. C'est parti. Bonjour. Bonjour madame, je vais vous prendre un McMorning s'il vous plaît. Alors vous voulez un menu brunch, c'est ça? Oui, ou un menu brunch si vous préférez. Alors non, mais c'est pour savoir, c'est la boisson chaude, les deux sandwichs et la boisson aux fruits. Oui, très bien, oui, on va se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Je vais vous prendre un espresso s'il vous plaît. En sandwich, je vais vous prendre un bacon eggs. Vous avez quoi en sandwich sucré? Sucré, on va avoir les pancakes et les McGriddles. Bon, pancake, ça ira très bien. Vous voulez du confiture de fraises ou du sirop d'érable? Vous n'avez pas du Nutella? Non, pas actuellement. Ah, c'est pas grave. De la confiture de fraises? Jus d'orange ou jus de pomme? Jus d'orange. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Ça sera tout bon. D'accord, ok. Je vous laisse avancer, ça vous fera 6,05€. Pas de soucis, merci beaucoup. Alors, par contre, les bornes, elles sont hyper loin. Vous réglez comment? Par carte, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Ils sont en train de nettoyer. En fait, ils sont en train de dégager toutes les poubelles. Et un mec, il a fait tomber toutes les poubelles par terre. Et l'employé, elle est dégoûtée parce que c'est eux qui nettoient en fait. Par contre, je peux même pas me serrer un peu plus. Franchement, pour atteindre la commande, faut vraiment y aller à bout de bras. Hein. Bon, on va se faire plaisir, hein, les globules. Hein. Deux sandwichs, deux boissons. Je vais me péter le bide de bon matin. Bon, le temps d'attente est un petit peu long. Je dois être le premier client de la journée, je sais pas. Donc se dire, putain, c'est pas possible. Il y a un gland qui commande un McMorning. Fallait qu'on tombe dessus. Le gland, c'est moi. Bonjour. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Allez, c'est parti les globules, on va se trouver un coin à l'ombre pour déguster tout ça. Et voilà les globules, bon. Le sac McDo. Donc là-dedans, j'ai les deux sandwichs, le eggs bacon et les pancakes. Le petit Nespresso, le jus d'orange qui fait plaisir. Ah, il est frais en plus. Ah, ça fait du bien. Un bon jus d'orange bien frais là. Bah. On va poser ça là. On va tout organiser sur la bagnole. La petite confiture de fraises. Allez les globules, on l'attaque parce que j'ai faim. En plus, c'est tout chaud. Oh là là. Ah, d'accord. Bon, effectivement, la présentation des sandwichs, c'est pas du tout la même que dans la pub. Hein. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont joué au basket. Avec mon eggs and bacon. Voilà. Voilà un petit peu le résultat. On va goûter quand même. Faut que ça sera bon. J'espère en tout cas. C'est pas mauvais du tout. Au-delà de la présentation, c'est pas dégueulasse. On va se boire un petit coup de jus d'orange par-dessus. Bien. Vache. Par contre les globules, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà fait un McMorning à McDonald's? N'hésitez pas à me dire ce que vous l'avez fait dans les commentaires et surtout ce que vous avez pris. Je m'attendais à des jaunes un petit peu plus coulants quand même. Mais sinon ça va, c'est pas dégueulasse. C'est même pas mauvais du tout. Avec le bacon, là. Non, c'est bon. C'est très bon. La suite. Alors, ces pancakes. Donc, nous avons ici deux petits pancakes. Je vais y mettre un peu de confiture. On va les bouffer comme un sandwich. Hein? Voilà. J'ai essayé de pas en foutre de partout dans la bagnole. Pancakes. La confiture. J'aurais demandé du Nutella. La dernière fois, j'avais demandé du Nutella. Pour mon 24 heures McDo. Ils en avaient. Là, ils en ont pas. On va mettre bien la moitié du tube, hein, quand même. Voilà. On va arrêter là parce que sinon, ça va couler de partout. On referme le pancake dessus. Voilà. Bon appétit. Les pancakes, ça change vraiment des crêpes. Hein. Les crêpes, c'est beaucoup plus plat. Les pancakes, c'est beaucoup plus épais. C'est très bon. Franchement, ça déchire grave. Par contre, à mon avis, les pancakes, ça doit être le truc qui doit bien vous blader le matin. Oh, c'est super bon. J'adore. Ça déboîte sévère. Mine de rien, pour la bouffe, c'est tout bon. Il reste encore un petit peu de jus d'orange. Et le petit café. Alors, on sent que le café est chaud quand même. Ils ont pas mis de sucre. J'ai la touillette. La touillette qui fait 3 mètres. Le sucre. Il est où le sucre? Ah, il y a le sucre. Le sucre. Donc voilà. Alors, on va pas sucrer à outrance parce que j'aime pas trop ça. Un peu de sucre. On touille, on touille, on touille.
La grenouille. Ah, il est brûlant. Et puis l'attaque sévère, hein. T'as celui-là, il réveillera un mort, dis donc. Ouais. La vache. Boire un café chaud, alors qu'il fait 40 degrés dehors maintenant, là. Truc de malade. On est fou. Putain, il est serré, hein. On va se calmer là parce que sinon je vais faire des bombes partout. Donc du coup pour ce matin en 24 heures j'ai commencé par McDonald's. Je vous laisse deviner la suite. J'ai pris un jus d'orange, un café, j'ai pris un bacon eggs et j'ai pris des pancakes à la confiture de fraises. Ça va quand même, mine de rien, je suis bien blindé. On se retrouve pour la suite les globules. C'est parti. Bon, les globules, bon, on est bien chez Soft Modélisme Lyon. Hop, je vais de ce pas rendre les répliques qui sont ici. Oh, il y a une réplique qui s'est baladée un petit peu pendant le voyage, mais c'est pas grave, on va la remettre dans son sac. Bon, les globules, il est temps de manger. Nous sommes pas très loin de midi et nous sommes chez Burger King. Bonjour madame, je vais vous prendre un barbecue chicken avec du Fanta et des frites. Et on passe à la caisse. Attends, la commande, les globules. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Le Fanta, il était mal mis. J'avais peur qu'il se casse la gueule pendant le voyage. Ça aurait été con de retrouver la voiture inondée de Fanta. Allez les globules, c'est parti. Il est environ midi 41, c'est inscrit là. Du coup, comme je vous l'ai dit, dans la voiture, je mange ce midi Burger King. Ce matin, j'ai fait du McDo, j'ai mangé un petit déjeuner exclusivement McDo. Et donc, pour ce midi, Burger King. Nous avons un chicken barbecue ici en burger. Nous avons ici des frites et un... Bien joué Bernard, ah là c'est magnifique, c'est super. Je kiffe ma vie. Donc nous avions un Fanta, j'aurai la moitié d'un Fanta. Cookie, va-t'en. Bah maintenant faut nettoyer. Voilà, c'est génial. Bien comme je vous le disais avant cet incident, qui m'a valu la moitié de mon Fanta sur la table. Voilà, ça s'est fait. Ce n'est pas grave, on va attaquer la bouffe parce que mine de rien, j'ai faim. On va attaquer les frites là. Ça va, les frites n'ont pas trop refroidi. On lâchera celle gosier avec le peu de Fanta qui reste. Franchement, je kiffe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel team vous êtes. McDo ou Burger King. On fera une autre team ce soir, hein, vous verrez. Bon, ce petit burger. Ce petit burger qui m'a l'air quand même vachement sympa avec 7 tranches de poulet, de la salade, un peu de mayonnaise, les frites à côté. Magnifique. C'est parti, on attaque. Alors c'est très bon parce qu'on sent une petite marinade sur le poulet. J'ai l'impression. Si je ne dis pas petite. Ah c'est très bon. Ça change des viandes dans les burgers complètement aplatis là, vous savez. Voilà. Petite frite avec. En plus la sauce est bonne. Par contre c'est vrai que c'est un burger qui se mange assez rapidement. Il est pas bien gros, mais il fait le taf. On remarque ici la petite feuille de salade qui se barre. Petite frite. Dernière bouchée de ce burger. Non, ça va, c'est super bon. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur ce chicken barbecue. Il est très bon. Ah, plus rien. De toute façon, j'ai quasiment rien bu. Tout était sur la table. Les dernières frites. Non, franchement, c'est très bon. Très, très bon. Bon, bah, ça fait du bien de bouffer quand t'as faim. J'ai le ventre bien rempli. C'est cool. Je pense que j'aurai pas faim avant ce soir. Du coup, les globules, je ne vous spoil pas le repas du soir. Vous allez le découvrir tout de suite. Bon, les globules, on se retrouve pour le repas du soir. L'heure qu'il est, j'en ai aucune idée. Attendez, si je regarde sur la box orange, il est 19h45. Je suis officiellement en retard pour le stream de ce soir. Pour le repas de ce soir, je suis parti chez
KFC. Voilà, et chez KFC, j'y ai commandé une salade César, histoire de manger light, parce que j'ai quand même fait une petite séance de muscu, d'où le changement de tenue, parce que j'ai sué comme un cochon pendant ma séance de muscu, et ça permet aussi de se déculpabiliser, de manger toutes ces conneries. Donc voilà, nous avons ici une belle salade César, donc avec de la salade, du comté, des petites tomates, des tenders. J'ai la petite fourchette pour pouvoir la manger, et nous avons ici la petite sauce César. Voilà. On va pas refaire la même connerie avec la boisson. Je me suis pris de l'orangina pour cette petite salade, mais pas que cette petite salade, parce que j'ai pris d'autres choses chez KFC. Donc un orangina, ça fait du bien par où ça passe quand on a soif et qu'il fait chaud. Alors c'est parti pour cette petite salade, les tenders. Les tenders, de toute façon, c'est une valeur sûre, c'est très bon. La salade, la petite tomate, c'est très très bon. Je me plaignais un petit peu de la quantité de salade. Par contre, quand on soulève les tenders, on voit qu'il y en a masse. J'ai vraiment l'impression que limite, il n'y a que ça. Des petites betteraves râpées, c'est sympa. Je vous avais demandé ce midi de choisir entre McDonald's et Burger King. Ce soir, je vous demande de choisir entre KFC et McDonald's. Qu'est-ce que vous préférez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça pourrait être cool. On verra qui ressortira vainqueur de ce petit challenge. Le petit morceau de tenders là, comme ça, c'est super bon. Je vous avais fait un McBank KFC, il me semble. J'ai bouffé un bucket de 10, je crois. C'était pas mal, hein. Franchement, ça cale grave. C'est une salade César, en fait, mais avec du poulet frit. Morceaux de comté qui vont bien avec aussi, ça c'est top. J'avais vu que Burger King sur leur site internet proposait aussi des petits déjeuners. Le problème c'est que Burger King ça ouvre à 11h. On va prendre un petit déj à 11h. Voir, c'est le petit déj du dimanche quand tu te lèves, quand tu as fait la grasse mat. Là t'es bien, là t'es bien. On arrive à la fin de la salade. Par contre, les dernières petites feuilles de salade là, faut les prendre chaud patate. Hein. Dernier morceau de comté. Et voilà, terminé. On peut rien bouffer. Oh. Hop. C'est bon. Emballé, c'est pesé. On va se rincer le gosier. Ça descend tout seul. C'est le top. On va passer à la suite, les globules. On passe à la suite. Alors, les globules, je me suis dit, je vais pas rester sur une salade. Je me suis pris des tenders à part. Des tenders que je vais incrémenter d'une petite sauce barbecue. Hop, on va ouvrir la sauce. Ça va, les tenders. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais bien, hein. Ils sont beaux, hein. Alors, hop, on trempe et on mange. En plus, généralement, chez KFC, je préfère prendre des tenders. Pourquoi? Parce que quand vous mangez des wings, vous avez toujours l'os dedans. Vous vous dites, bah, c'est, en fait, il n'y a rien à bouffer dedans. Avec les tenders, c'est du blanc. Là, il y a à bouffer. KFC, c'est vraiment bon. Franchement, c'est très, très bon. Franchement, j'aurais fait mon repas le moins light le soir. Ah non, parce qu'il y a la suite aussi derrière. Franchement, ça déboîte. Il est énorme celui-là. Celui-là, il est énorme. On trempe de la sauce. Dommage que j'ai pas un petit peu d'harissa. On va pas déconner non plus. Franchement, ils sont pas énormes. Je sais pas pourquoi, mais on dirait scorpion, le truc là. Manque les pâtes. Avec les petits morceaux de poulet comme ça. Oh là là. À se taper le cul par terre. Franchement, comment je me gave avec ça, bordel. Par contre, tu sens que par endroit, ils ont pas lésiné sur la chapelure ou le truc là, qui fait comme ça là. Ouais. Non, c'est bien finalement. Petit repas KFC du soir. Salade, des tenders, la suite.
Voilà, les tenders, ils sont pliés. C'est bon, c'est fait. Ça, c'est cool. Donc, la salade, les tenders, ça. On se rince le cousin. Dès qu'ils auraient pu en mettre plus, quand même. Ouais. C'est pas bien grave. On passe au dessert. Alors, j'ai pas fait très original. Je me suis pris une glace. Je me suis pris un sundae. Voilà. Là, je sais pas du tout ce qui s'est passé sur le sundae. Pourtant, je l'ai placé au frigo au moment où je suis arrivé à la maison. Mais bon, là, on distingue très clairement qu'il y a une partie de la glace qui a fondu. Le chocolat m'a l'air un peu dur. Ouais, c'est chelou ça. Bah, on goûte à les deux là. De la glace vanille, le nappage chocolat c'est figé par contre. Je trouve ça un chouïa dommage parce que chez McDo le nappage il rentre à l'intérieur là, sur les côtés. Il y a des glaces qui existent je crois à KFC et j'ai failli en prendre une parce que je l'ai vu après que ma commande soit passée. C'est une glace où on pouvait mettre des morceaux de brownies dedans. J'aurais dû trop prendre ça franchement. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une sorte de petite vidéo de dégustation quand il y a des nouveaux sandwichs qui sortent, que ce soit McDonald's, que ce soit Burger King, que ce soit KFC, etc., etc. Dès qu'il y a un nouveau sandwich, bah, on fait une vidéo tranquille, on se pose, on mange, on discute. Ça peut être sympa. Genre je teste le nouveau 280 poivre piment harissa et ça tourne mal. 4 milliards de vues. Gavage. Bon, la glace elle est bonne quand même. Mis à part que le nappage chocolat, c'est toi qui dois le découper dans la glace. Mais sinon, c'est pas mauvais. Ça va. J'ai bien fait de prendre une glace, moi. Avec les températures qu'il y a en ce moment dehors, je peux vous dire que ça rafraîchit. Peut-être commencer à faire le plein de Magnum, là. Les Magnums classiques. Bah, 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 bah. Dédicace à tous ceux qui préfèrent les Magnums aux amandes. Ah, Max! On a vu un débat là-dessus sur un stream, c'était énorme. J'avais rigolé. Hein. Bon, voilà! C'est fait, c'est plié, c'est terminé. Ouh, j'en peux plus. J'ai bien mangé. Je vais avoir une patate pour le stream de ce soir, ça va être un truc de malade. Bon, on termine l'orangina. Bien les globules, je crois que ce 24h où je ne mange que du fast food est terminé. Les globules, merci à tous d'avoir regardé ce 24h jusqu'au bout. Surtout n'oubliez pas le petit like sous la vidéo qui fait toujours plaisir. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quel que soit vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao. Baby, inside my way. I play the catcher, baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride my way. Hop in the baby, inside my way. I play the catcher, baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me.